Bonjour à tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve dans ce nouveau vlog. Donc du coup aujourd'hui on est à Malaga. Donc le bateau vient nous déposer. On est donc encore au niveau du port. On va marcher un petit peu, c'est pas très loin. Et du coup on se dirige vers le centre-ville. Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va visiter un peu le centre-ville à pied. Il paraît que c'est très charmant, donc à faire à pied. Et puis bah, on ira manger. Et cet après-midi peut-être qu'on prendra le car, vous savez, les bus city là, pour bien visiter un peu les monuments de la ville. Donc voilà, c'est parti, je vous emmène avec nous. Il fait très très beau, il fait un soleil magnifique. Je sais pas pourquoi j'ai mis un pull. Il fait très très beau là, on aperçoit une plage. Hop, juste là derrière, il y a une plage juste à côté. Franchement il fait super beau, je pense que l'été ici ça doit être vraiment vraiment génial. Donc go, c'est parti. On est descendu, on est toujours au niveau du port hein. En fait il y a des boutiques tout le long du port. Voilà, il y a de tout, il y a l'institut pour faire les ongles, il y a pour manger, enfin un petit centre commercial quoi. Et juste derrière moi, hop, on a le port. Donc voilà, on continue de marcher, on découvre. Arrivé au grand boulevard, on est en plein centre-ville en fait, c'est là où il y a toutes les boutiques, les restaurants, etc. Je suis en train de griller avec le pull, franchement il fait très très chaud, je pense qu'on va s'arrêter quelque part et je vais me prendre une robe ou un t-shirt, quelque chose de léger quoi, parce qu'il fait extrêmement chaud. Il fait 22 degrés on a eu, ouais. 22 degrés mais un ressenti 26, je me suis attachée les cheveux et donc voilà. Revenu en fait au port,
on va longer tout ça à pied. Ce qui est bien en fait ici, c'est que vous pouvez courir, faire du vélo, marcher également. C'est vraiment très très joli. Hop. Le temps s'est couvert un peu. Donc là, on retourne sur le bateau. Je vais aller me changer. Je vais mettre quelque chose de léger, un gilet, quelque chose de léger, un t-shirt, quelque chose comme ça. Je vais enlever ce pull. Le petit aussi, je l'ai habillé en pull et jean et je vais le mettre un peu plus léger et voilà, donc c'est parti. Oui, avec un manteau, j'ai changé de tenue. Alors on est monté, on est parti dans le bateau. Je me suis changée, je me suis mise en t-shirt et le vent s'est levé. Et donc le vent s'est levé, donc je suis partie chez Zara, j'ai pris donc ce manteau. De toute façon, il m'en fallait un étant donné que c'est moins cher ici en Espagne. Donc j'en ai profité. On est toujours à Malaga. Là, on va se diriger vers le port parce que le bateau repart dans 1h30. Sachant qu'on a beaucoup de marches entre le centre-ville et le port. Donc voilà, on commence à y aller tout doucement. Et puis voilà, je continue à vous emmener avec nous. Donc c'est parti. Me revoici. Donc là on vient de rentrer dans la chambre, donc comme je vous ai filmé, donc le bateau a quitté le port de Malaga, donc là on part pour 48 heures de navigation cap sur Lisbonne, donc on part au Portugal. Du coup on va passer 2 jours, donc ce soir on a un thème, donc ces soirées un thème en blanc en fait, donc il faut, c'est conseillé de s'habiller en blanc. Je sais pas encore ce que je vais mettre. D'abord, on va aller au repas. Pour ce soir, on a décidé d'aller au self. C'est plus pratique pour nous par rapport aux petits. Donc, on va aller manger au self-service. Après, on rentre se changer et on repart pour la soirée. Et voilà, je clôturerai donc le vlog plus tard dans la soirée. Donc, je vous dis à plus tard. Ciao, ciao. Three, two, one, zero.
Adesso il vostro momento, tutti al centro, everybody in the middle, come la mamma santa del mondo del medio. DJ Ronny e l'equipe di animazione vi presentano. Questa è la notte bianca! Est terminée, donc nous, moi plutôt, je vais rentrer avec le petit, on va aller dormir. Je suis vraiment à chaise, quelle heure il est, il est minuit, donc voilà, au dodo. Demain, comme je vous disais tout à l'heure, c'est journée en mer, donc je pourrais me reposer, dormir, faire une petite grasse mat et tout le matin. Et donc je vais clôturer ici le vlog et je vous retrouve prochainement pour un nouveau vlog. Bisous.